Mon message, ben ça va avec, un peu avec le, le message du pasteur Pierre la semaine passée, qui était excellent sur la prière. C'était vraiment un message puissant, comme c'est important pour nous, les chrétiens, de prier. Et mon titre, c'est Dieu répond aux prières. Amen. Je, je le sais parce que je l'ai vécu. Je sais que beaucoup de monde ici l'ont déjà vécu aussi. Hein? Mais je me disais, des fois on pense que Dieu, on a l'impression que Dieu répond pas aux prières parce qu'on ne se sent pas assez important pour Dieu. On dit oh, « Dieu va répondre peut-être aux prières pour telle personne ou telle personne, mais moi, je ne suis pas assez... » Tu sais, on est des milliards de personnes sur la Terre, puis des fois, c'est difficile de, de vraiment se dire « Aïe aïe, c'est comme Dieu peut s'intéresser à moi d'une manière spéciale, d'une manière authentique, personnelle. » Comment qu'un Dieu... Comment quelqu'un peut penser à une personne quand il y en a des milliards sur la terre? Pourquoi moi? Puis avant de, de parler que Dieu répond aux prières, j'aimerais vous partager que Dieu s'intéresse à vous personnellement, qu'il vous connaît et que vous êtes important. Parce que quand on sait qu'on est important aux yeux de Dieu, bien, c'est plus facile de prier. C'est plus facile de faire nos requêtes de prière puis de lui demander des choses parce qu'on se sent important, donc on sait que Dieu va répondre. Amen. J'ai partagé ça euh, le 2 vendredi à la jeunesse, mais ce n'est pas euh, tout le message que c'est juste le psaume 139. Puis j'aimerais vous le lire. Moi, c'est un de mes psaumes préférés. Vraiment, le psaume, c'est tellement rempli de richesse, les psaumes. J'aime les psaumes. Ça m'a tellement relevé dans plusieurs situations. Je les ai médités, puis je vous encourage à le faire aussi, parce que c'est vraiment plein de richesse. Et le psaume 139... Ça vous montre que vous êtes spécial, tous et chacun, que Dieu vous aime, qu'il vous connaît. Ça commence par Seigneur, tu regardes jusqu'au fond, Psalm 139, le verset 1. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît les petits, toutes les parties de vos cœurs, toutes vos peurs, vos échecs. Euh, tout ce qui a été détruit dans votre vie, tous vos, vos succès. Dieu connaît vos tristesses, connaît vos joies, il connaît tout de vous. Il n'y a rien que vous pouvez cacher à Dieu. C'est la seule personne sur la planète entière qui vous connaît autant à ce point. Même Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, on peut se connaître. Parce que nous, on a souvent la tendance à se, à se voir avec des yeux qui ne sont pas vrais, hein? On se pense pas important et tout ça. Mais pour Dieu, nous sommes importants. Vous êtes importants. Alors, Dieu regarde jusqu'au fond de votre cœur et sait tout, 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 tout de vous. Même les petits recoins que vous voulez pas que personne voit, Dieu le voit. Tu sais, si je m'assis, si je me lève, longtemps d'avance, tu connais mes intentions. Puis ça, je veux juste partager là-dessus parce que des fois, dans notre vie chrétienne, et qu'on peut donc se dire... J'ai vraiment, comment ça se fait que j'ai fait cette gaffe-là, Seigneur Comment ça se fait, Seigneur, que j'ai pu faire ça Tu j'ai, excusez l'expression, euh, non, je connais, dirais pas cette expression-là, là, mais j'ai manqué le bateau hein, finalement, ok Mais Dieu, il vous a choisi, ok, d'avance, pour être ses enfants, puis il connaissait déjà vos intentions. Donc si vous étiez pour faire quelque chose ou mauvaise décision, Dieu le savait déjà puis il vous a choisi quand même. Amen. Moi ça m'encourage parce que je me dis yo, Seigneur, merci, tu sais Dieu fait pas oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle a fait ou qu'est-ce qu'il a fait, c'était pas prévu ça dans mon plan. J'en reviens pas, c'est comme voyons donc, il va falloir que non non, OK. Son son le projet que j'avais prévu pour cette personne, là je vais l'effacer là puis je vais y faire une autre histoire parce que là là ça vient de mais non, Dieu savait déjà. Dieu savait déjà tout ça. Puis je trouve que ça nous met un bon sur notre cœur de dire Oh Seigneur, on est donc imparfait, mais toi, tu es tellement grand. Amen. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi, tu es au courant de tout ce que je fais. Je n'ai pas encore prononcé un seul mot que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Alors Dieu sait où vous êtes, tout le temps, et toujours avec vous. Dieu le, Dieu le sait quand vous vous faites, quand vous vous levez le matin. Dieu sait quand vous allez travailler ou à l'école. Dieu, il sait à chaque fois que vous êtes en mouvement, Dieu le sait. Il est tellement grand. Je ne sais pas, moi, je, je, on ne peut pas hein, comprendre ça avec notre cerveau humain. C'est ça qui m'épate avec Dieu. <laughs> tu es derrière moi, devant aussi, tu poses ta main sur moi. Alors, c'est comme Dieu est toujours avec nous, 24 heures sur 24. Il est en avant de vous, il est derrière vous, puis il pose sa main sur vous. Alors comment on peut être inquiet? Puis je me parle aussi en même temps, hein, parce que des fois on a tendance à s'inquiéter pour des choses, mais Dieu est toujours là. Il est en avant, en arrière, puis il pose sa main sur nous. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi qui dépasse tout ce que je peux comprendre. Où pourrais-je aller loin de toi ou fuir loin de ta présence? On ne peut pas fuir Dieu. Vous ne pouvez pas fuir Dieu. Il est toujours là. Ça dit si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, tu y voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant ou si je vais m'établir au soleil couchant, même là, ta main me saisit. Ta main droite ne me lâche pas. Alors des fois, vous pouvez être dans une situation de trou noir, mais même là, Dieu est là. Même dans ces situations-là, Dieu est là. Et sa main vous saisit. La main de Dieu est toujours là pour vous saisir. Vous... Nous, on a l'impression, parce que nous, on n'est pas fidèles. On peut être fidèles, mais on n'est pas aussi fidèle que Dieu. Fait qu on on s'imagine que Dieu est comme nous. que Peut-être qu'il va nous lâcher, il va se parce que nous, on est peut-être comme ça avec les êtres humains. Ah, lui, là, il me, ouais, là, me tape ses nerfs, je vois comme... Mais Dieu, lui, il n'est pas comme ça. Il ne nous lâche pas. Même si on fait des gaffes, il ne nous lâche pas. Il est toujours là. Sa main nous saisit puis nous sort de toute situation. Amen. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse qu'autour de moi le jour se fasse nuit, pour toi l'obscurité devient lumière et la nuit claire comme le jour. Ténèbres ou lumière pour toi c'est pareil. Le verset 13, c'est toi qui as créé ma personnalité, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. C'est pour ça que vous êtes si précieux. Vous êtes tous... Précieux parce que Dieu vous a tissé, vous a créé, vous a fait dans le sein de votre mère, vous a créé votre personnalité. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui vous a créé comme vous êtes. Amen. Il n'aurait pas pris la peine d'écrire ça si on valait rien pour lui. Amen. Amen. <laughs> oh, c'est cute! <laughs> Et ça dit, « Si, Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. » Hein, les femmes? Plus les femmes, des fois, on ne s'aime pas, hein? Mais Dieu, c'est Dieu qui nous a fait comme ça. Donc, faut apprendre à s'aimer comme Dieu nous a créés. Parce que Dieu nous trouve très beaux. Comme disait pasteur Louise, mardi, nous sommes des créatures merveilleuses. Amen. Euh, ce que tu réalises est prodigieux j'en ai bien conscience mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère oh verset 16 quand j'étais encore informe tu me voyais dans ton livre tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé imaginez dieu vous même même ça c'est même qu'il y a une autre place dans la bible que ça dit même avant la création Dieu vous avait déjà prévu. Il avait déjà prévu une vie pour vous, un projet pour vous. Vous étiez déjà dans son plan. Chaque personne, c'est extraordinaire. Il a déjà tout écrit votre histoire. Vous n'étiez même pas encore né et Dieu avait déjà tout inscrit votre histoire. Est-ce que vous êtes important? Est-ce que Dieu aurait pris la peine d'écrire une histoire pour quelqu'un qui n'est pas important? Votre histoire a été créée par le roi des rois. Vous avez une histoire extraordinaire. Il suffit de rester dans les voies de Dieu. Puis Dieu va vraiment... Écoutez, une histoire qui vient de Dieu, ça ne peut pas être plate. Alors votre histoire va être glorieuse. Amen. Qu'il m'est difficile de saisir tes projets, ô oh Dieu, il y en a tant. Comment pourrais-je les compter? Il y en a plus que de grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de comprendre. Il y a une autre version qui dit que, euh, juste le verset avant, que tes pensées où Dieu semblait impénétrable, le nombre en est grand. Bien, il y a une autre version qui dit que, dans le fond, Dieu il a une pensée pour nous. Il y a autant de pensées pour nous que les grains de sable sur la terre. Dieu pense à vous aussi, autant que nombre de grains de sable. Ce pas extraordinaire, c'est parce qu'il pense à vous tout le temps, il est carrément amoureux de vous, là. il est fou, fou de vous. Puis nous, des fois, on a l'impression, je prierai, bien, je vais prier, mais je ne suis pas vraiment important. Vous n'êtes pas important. Dieu pense à vous tout le temps, 24 heures sur 24, sans arrêt. Il y a des pensées, ça vient, ça vient, ça... il pense à vous tout le temps. Vous êtes précieux pour lui. Alors Dieu, c'est sûr que vous êtes important pour lui. Alors quand on sait ça, il me semble que ça nous donne l'assurance de prier après. Je dirais, hey, moi, là, je suis important ou importante aux yeux de Dieu, donc je suis capable d'aller au trône de Dieu pour lui parler. Amen. Puis, avant de continuer, j'aimerais juste vous présenter un petit vidéo qui dure à peu près cinq minutes, juste pour vous montrer comment, moi, je suis visuelle, j'aime beaucoup voir les choses, je, je, je suis visuelle, puis ça vous montre comment Dieu, comment Jésus est avec vous 24 heures sur 24. C'est juste imagé pour vous montrer. Amen. Father, we love your precious name. It stands to reason that a name's just a word. feel it and it chases fear Ce n'est pas parce qu'on ne le sent pas que Jésus n'est pas là. Jésus est toujours là, même si on ne le sent pas. Il nous suit partout. Il est toujours avec nous, à chaque instant de notre vie. Je trouvais ça beau parce que ça, ça nous montre, euh, quand on le voit, des fois, ça, ça vient nous toucher plus. Puis vous savez, ce n'est pas une question d'émotion, de le sentir ou de ne pas le sentir. C'est une question de foi. Tout simplement, que Dieu est là. Puis je voulais juste vous encourager que dans la vie chrétienne, il ne faut pas y aller avec les émotions non plus. De dire, j'ai pas envie de prier, je n'ai pas le goût de venir à l'Église. C'est comme, allez-y. C'est comme, vous n'avez pas le choix. Priez, lisez votre parole. C'est pas de dire, ça ne me tente pas. C'est tout simplement, hey, moi, je suis un enfant de Dieu, donc je vais lire ma Bible puis je vais prier. Je vais venir à l'Église aussi. Ce n'est pas de dire, ça ne me tente pas ce matin, je suis fatiguée, ou, euh, ah ben, il fait froid, il fait chaud, euh, il vente, il pleut, il y a trop de, il y a trop de, de maringouins aujourd'hui. Ce <laughs> n'est pas une question de choix, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de choix. Amen. Juste vous encourager par rapport à ça, de ne pas laisser les émotions euh, diriger votre vie, que ce soit le Saint-Esprit qui dirige votre vie. Puis, là qu'on sait que Dieu nous aime, qui est toujours avec nous. C'est important d'avoir une relation avec Dieu. C'est la chose la plus importante de toute votre vie. Votre travail, c'est secondaire. Tout est secondaire à la relation avec Dieu. C'est une question de vie ou de mort, votre relation avec Dieu. Vous le savez, hein? Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, bien, vous n'avez pas de relation avec Dieu, c'est grave. Parce que Dieu veut qu'on ait une relation avec lui. C'est très, très important. Puis, vous savez, quand on vit des choses difficiles, des fois, si vous venez à l'Église, puis euh, vous ne lisez pas vraiment votre Bible ou euh, vous ne priez pas souvent, quand il arrive des temps difficiles, c'est dur après de, de surmonter. C'est dur de surmonter parce qu'on n'a pas de, 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 de point d'appui. C'est comme là, on se dit OK, Seigneur, je vais me mettre. Il arrive un temps difficile, puis là, OK, Seigneur, je vais, je vais me rapprocher de toi, mais c'est bien. Mais si vous l'auriez fait avant, moi, je vois ça comme tomber dans un, un, un cylindre. Essayez d'imaginer ça, un gros cylindre. Puis, des fois, on a l'impression que le, le monde s'écroule. On a l'impression de tomber. Je ne sais pas si ça vous est, ça vous est déjà arrivé, mais c'est des grosses situations qui nous ébranlent dans notre vie. Là. Moi, ça m'est déjà arrivé. Vous avez l'impression que le sol se, se, se brise et que là, vous tombez dans le vide. Mais quand vous n'avez pas cette relation avec Dieu... Puis vous n'avez pas la parole dans votre cœur. Vous tombez dans le cylindre, puis vous n'avez rien à vous raccrocher. Tandis que quand vous avez cette relation avec Dieu, puis la parole dans votre cœur, c'est comme des marches ou des poignées dans le, dans le tunnel. Et là, vous allez vous, pouvoir vous accrocher. OK, la parole de Dieu dit ça. La parole de Dieu dit ça. OK, c'est ça. Puis là, vous vous accrochez, puis vous montez. Vous êtes capable de surmonter le cylindre et sortir la tête de l'eau. Vous comprenez qu ce que je veux dire? Si vous n'avez pas ça dans votre vie, les, les épreuves. Ils vont vous submerger. Ça va être plus difficile. Vous allez peut-être, vous allez vous en sortir si vous vous rapprochez de Dieu, puisque Dieu est bon. Mais quand on a une relation intime avec Dieu, c'est beaucoup plus facile. Ce n'est pas que les épreuves sont faciles, c'est plus facile de les surmonter. Puis je veux vous partager aussi dans Psaume 91. C'est un autre de mes psaumes préférés. Ça dit au verset 1, là, le verset 1 est très important. Celui qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du Tout-Puissant, celui-là doit dire au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Je veux revenir sur celui qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut. Celui-là peut dire, « Seigneur, tu es ma forteresse, tu es mon refuge. » Comment on fait pour se mettre à l'abri auprès du Dieu très haut? C'est là la clé. Trop souvent, les chrétiens, « Oh, Seigneur, il va répondre, Seigneur il va répondre. » Mais êtes-vous à l'abri auprès du Dieu très haut? C'est vraiment important que vous reteniez ça ce matin, parce que je l'ai beaucoup médité ce, ce psaume-là, chaque verset. Puis vous allez voir plus loin aussi, se mettre à l'abri auprès du Dieu très haut là, savoir une relation avec lui. C'est passer du temps avec Dieu, c'est lire sa parole. Ça nous met un abri comme une tente au-dessous au de notre tête. Et là, on est comme à l'abri auprès de Dieu. Et là, on peut dire, Seigneur, tu es ma forteresse et mon refuge. Si vous priez jamais, vous ne lisez pas votre parole, c'est difficile de dire, Seigneur, tu es mon, mon ma forteresse et mon refuge. C'est juste que dans la prière, ça vient avec. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est tellement puissant quand on est proche de Dieu, quand on passe du temps avec Dieu. Moi, là, je peux vous dire une chose. J'ai vécu des choses difficiles dans ma vie, très difficiles. Puis des fois, là, j'étais à bout. Tu sais, là, quand que vous a plus de force mentale, plus de force physique, juste... Je suis sûre que je ne suis pas la seule qui a vécu ça. dans. Tu sais, hein? tout le monde vit des choses difficiles. Mais quand on passe du temps avec Dieu, c'est comme un souffle, un souffle nouveau qui... qui qui nous donne c'est indescriptible je pouvais mettons être vraiment très fatiguée cette journée là ou vraiment comme des fois ça nous arrive de manquer confiance hein on est tous des humains on n'est pas toujours super high dans la foi ça elle arrive des fois que oh seigneur ok là ça des jambes qui shake ça elle arrive en tout cas moi ça m'est arrivé mais quand on passe du temps avec Dieu oh, on se régénère après notre temps de prière, on sort de là et on est « wow », ça fait donc du bien. Il y a quelque chose dans le lieu secret, c'est le lieu secret, OK? Le lieu secret, c'est tellement important. Ce n'est pas juste de prier. Moi, je vous encourage de prendre un temps à part avec Dieu. Euh, vous, vous savez, ça peut être quoi votre lieu secret? Moi, c'est dans une chambre. Euh, je mets de la musique, de louanges, je m'enferme, il n'y a personne qui vient me déranger, je suis dans mon temps de prière. Mon mari, lui, il aime beaucoup prier dans l'auto quand il va travailler. Là, il est en arrêt de travail, là, mais il aime prier dans l'auto. Pour lui, il est tranquille. C'est son temps, il est son lieu. Son, son, c'est comme un... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quoi, je disais, dans le... J'ai perdu mon mot. Le lieu secret, c'est ça, c'est ça, je cherchais. Merci. Donc, c'est important d'avoir un lieu secret pour prier. Puis pas juste... Prier comme, oh faut que je prie aujourd'hui, Seigneur, merci pour cette journée, merci que tout va bien, Seigneur, merci. Non, juste un temps, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des paroles, là, avec, comme disait le pasteur Pierre là, la semaine passée, éloquente, Oh Dieu Tout-Puissant, le Roi, le Souverain. Moi, je parle à Dieu comme je parle à un ami. Je parle à Dieu, je lui dis mon cœur. Je déverse mon cœur à Dieu. C'est comme... Ça ne va pas, Seigneur, aujourd'hui. Je dis vraiment comment je me sens. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme, un bac pour prier. Hein? Dieu dit que le royaume de Dieu, c'est comme pour les enfants. Comme le petit garçon tantôt qui a dit Amen. <laughs> c'est vrai. Donc, un, un lieu secret, c'est vraiment important. Regardez qu ce que ça dit après dans le Psaume 91. Le verset 3. C'est le Seigneur qui te délivrera. Puis là, on n'oublie pas ce que c'est celui qui se place à l'abriant hein, auprès du Dieu très haut. « C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera. Tu trouveras chez lui un refuge comme un poussin sous les ailes de sa mère. » Oh, wow! Je me suis souvent senti comme un petit poussin sous les ailes de mon père, bien, de sa mère, mais c'est le Père Céleste. « là. Ça fait donc du bien. » de dire oh, « je me sens en sécurité malgré la tempête. » Imaginez-vous une grosse, grosse tempête, il y a des gros vents, et que vous, vous êtes comme dans un abri, tout confortable, vous regardez la tempête passer, il y a des vents, mais vous, vous êtes comme, ben oui, il y a une tempête, mais vous êtes comme en sécurité. En sécurité, parce que c'est comme le Dieu qui vous tient. « Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit. » ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui flappe, frappe en plein midi. Ça pique. Vous avez rien à redouter des maladies, des flèches de l'ennemi. Vous avez rien à redouter de ces choses-là. Même si ces fléaux font mille victimes près de toi et dix mille encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Moi, là, je me suis accrochée à ce verset-là, vraiment, dans les épreuves, parce que oui, dans la situation où j'étais, il y avait 10 000 victimes à ma droite et 10 000 victimes à ma gauche, comprenez? Mais moi, je sais que moi, il ne m'arrivera rien. Puis j'ai cru ça et je continue à croire ça. On est des enfants de Dieu, on n'est pas n'importe qui. Au verset 9. Oui, le Seigneur est pour toi un abri. Tu as fait du Très-Haut ton refuge. Encore une fois, tu as fait du Très-Haut ton refuge. Aucun malheur n'approchera de chez toi. Quelle promesse qu'on a Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton, ne heurte, que ton pied ne heurte une pierre. Excusez-moi. Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère. Et tu pourras piétiner le fauve ou le serpent. Ça veut dire qu'on va en avoir des lions et des vipères, on va en avoir des fauves et des serpents, des épreuves, hein Mais on va pouvoir marcher sans risque dessus. Amen. Accrochez-vous à ça. Si vous vivez une situation difficile ce matin, accrochez-vous à ça. Faites de Dieu votre abri, puis accrochez-vous à ses promesses. Il répond, il est toujours là. Le verset 14 est très important. Il est attaché à moi, dit le Seigneur. Alors, comment on fait pour être attaché à Dieu? Ce n'est pas juste de dire j'aime Dieu, puis pas prier, hein? Quand on est attaché à quelqu'un, on passe du temps avec lui. C'est comme évident. C'est la chose première qu'on fait. Quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec la personne. Et Dieu dit que il est attaché à moi, je le mettrai donc à l'abri, je le protégerai. Pourquoi Parce qu'il sait qui je suis. Ah, c'est donc beau. Moi, ça, à chaque fois que je lis ça, je... ah, c'est comme une doudou. <laughs> c'est une grosse doudou, confortable. Parce qu'on sait qui il est, il nous protège. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Vous avez le droit de crier à Dieu et demander secours. Il va vous répondre. Il n'est pas sourd. Il va vous répondre. Il va être à vos côtés dans, dans la détresse, ça dit aussi. Je le délivrerai, je lui rendrai son honneur. Si on vous a volé quelque chose dans votre vie, Dieu va vous rendre votre honneur. Il va vous le rendre. Il va vous rendre ce que le diable vous a volé. Amen. Je lui donnerai une vie longue et pleine, et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Dieu veut pas qu'on soit dans misère. Il veut qu'on voit il veut que on qu'il est notre sauveur. Dieu il a intérêt à faire des choses pour nous pour qu'on puisse le glorifier. Amen. Il veut pas que ses enfants soient misérables. Sinon, moi, si mes enfants sont misérables et tout piteux, j'ai honte. Comme mère, c'est comme j'ai J'ai-tu manquer quelque chose. Mais Dieu, c'est notre Père céleste. Il veut le bien pour nous. Il veut qu'on soit heureux. Il veut nous donner tout ce qu'il y a de meilleur. Pour... Il veut qu'il hey, est fier de nous. Comprenez? Puis, encore dans le psaume. Qu'est-ce qui se passe quand on prie? Souvent, on a l'impression que. On prie parce qu'il faut prier, on demande des choses à Dieu, on vit une situation, on prie parce qu'on. Il se passe des choses quand on prie. Oui. Il se passe des choses très, très puissantes quand on prie. Et le psaume 18, c'est un autre de mes psaumes préférés que j'ai encore médité beaucoup, n'est-ce pas? Quand on crie à Dieu, moi, là, je vous encourage, Dieu, là, veut voir vos cœurs. Vous vivez une situation difficile, criez à Dieu. Pas crier dans le sens, crier, mais euh, si vous voulez le faire, faites-le. Mais moi, ce que je veux dire, c'est de votre fond, là, criez à Dieu. Dites-lui, dites-lui à Dieu quest ce que vous avez besoin. Puis Dieu va répondre. Écoutez, moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait, Seigneur, tu fais tout ça pour moi. C'est tellement puissant, le psaume 18. Ça dit, Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger, un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. Bon, OK, le verset 5. La mort me tenait déjà enchaînée, elle m'effrayait comme un torrent destructeur. Je me suis déjà senti comme ça, que la mort me tenait enchaînée. Puis ce c'est pas le fun, c'est pas une situation vraiment le fun de vivre ça. Ça dit j'étais presque prisonnier du monde des ombres, son piège se refermait sur moi. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur, j'ai crié au secours vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Dieu vous entend quand vous priez. Je vous certifie ce matin que Dieu vous entend quand vous criez à lui. Il est intéressé par votre cri. Il a bien, évolu, il a bien voulu écouter mon cri. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé après quand que, je pense que c'est David, oui, il a, il a crié à Dieu. Il s'est passé quelque chose. Nous, on pense, on prie. Ça s'arrête là au plafond. La terre, ça dit au verset 8. Alors la terre fut prise de tremblement. Hein? Moi, je, moi, je fais ça. Moi, quand je crie à Dieu, il se passe quelque chose. Oui, il se passe quelque chose. Vous appelez Dieu, vous criez au secours, il va répondre. C'est ça que toute la parole de Dieu dit. Les montagnes vacillèrent sur leurs bases, elles chancelèrent devant la colère du Seigneur. Oh là là, Dieu, il est fâché là parce que son enfant, il, il arrive quelque chose puis il veut pas. Hey, qui qui touche à mon enfant C'est ça qu'il se dit. Qui, qui ose toucher à mon enfant Une fumée montait de ses narines, un feu dévorant sortait de sa bouche, accompagné d'étincelles brûlantes. Le Seigneur inclina le ciel et descendit un sombre nuage sous les pieds. Dieu fait ça pour moi Oui Il le fait Quand vous criez au secours, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Il se passe quelque chose. Pensez pas que vos paroles valent rien. Dieu met tout en branle pour vous secourir. Il est là, puis il met tout en branle. Il fait tout pour vous secourir parce qu'il vous aime. Vous êtes précieux. Monté sur un chérubin, il prit son vol. Sur les ailes du vent, il se mit à planer. Il se cacha au cœur d'un nuage noir. Il s'entoura d'épaisses nuées, sombres comme de l'eau profonde devant lui une vive lumière des nuages qui passaient, de la grêle des étincelles de feu. Waouh, il en a mis des choses en action juste pour nous Plus on dit qu'on ne vaut pas la peine. Ça ne marche pas, comment on pense Au ciel, le Seigneur fit gronder le tonnerre, le Dieu très haut fit retentir sa voix, il lança des éclairs en tous sens, tira des flèches dans toutes les directions. « Devant ces menaces du Seigneur, devant la tempête de sa colère, le fond des océans fut dévoilé, les fondations du monde apparurent. » Aïe aïe! Moi, quand Jésus-Seigneur a fait ça pour moi, ça m'a donné courage. Ça m'a donné courage de dire que, wow, j'ai crié à Dieu dans ma situation, puis Dieu, il entend, puis il fait des démarches pour me sortir de là, puis il fait des démarches pour vous sortir de ce que vous vous êtes en ce moment. Amen. Du haut du ciel, il étendit sa main et me saisit. Il m'arracha du danger qui me submergeait. Il me délivra de mes puissants ennemis, de mes adversaires trop forts pour moi. Au jour du désastre, il m'avait assailli, mais le Seigneur est venu me soutenir. Il m'a dégagé, m'a rendu à liberté. Il m'aime, voilà pourquoi il m'a délivré. Amen. Alors, la prière, c'est-tu important Si on prie pas, on va rester dans notre situation. Il faut qu'on soit capable de demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'aide, aide-moi. Ou c'est pas juste pour de l'aide. On peut parler à Dieu de. On n'est pas toujours dans la misère. C'est pas comme si on est toujours dans une situation désespérée. Mais si on n'est pas dans une situation désespérée, qu'on ait un, 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 un lieu secret avec Dieu. C'est tellement important. Parce que votre vie va être complètement transformée, je vous le garantis. Puis si vous le faites, bien, faites-le, en, continuez encore à le faire, puis Dieu va continuer à travailler dans votre vie encore plus puissamment. Euh, je voulais vous partager aussi. des petits Une autre façon de prier, c'est la louange. La louange change les circonstances. Puis je veux vous donner des exemples de la parole de Dieu par rapport à ça. Puis vous encourager que des fois, on ne sait pas comment prier pour une situation. C'est comme on ne sait pas comment prier. Mais je vous encourage de louer. Louez-le. Louez-le. Il se passe des choses quand on loue le Seigneur. Dans deux Chroniques 20, l'histoire de Josaphat, on la connaît. Il y avait les Moabites, les Ammonites, puis toutes les Hittes. En tout cas, il y avait trois, euh, trois peuples qui voulaient euh, entrer en guerre avec Josaphat. Et il y avait peur. C'est comme, une, disons, une réaction un petit peu naturelle, des fois, d'avoir peur quand il y a trois peuples qui veulent comme, venir en guerre contre toi. Donc, je vais faire une histoire courte. Il a consulté le Seigneur, puis le Seigneur il a dit dans le verset 14. Écoutez attentivement vous tous habitants de Jérusalem, judéens, et toi en particulier roi Josaphat. Voici ce que vous déclare le Seigneur. Ne craignez rien, n'ayez pas peur de cette armée nombreuse. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. C'est ça que Dieu vous dit ce matin. Le combat là que vous vivez en ce moment-là, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à Dieu. C'est lui qui va combattre pour vous. C'est parce que nous, on essaye trop de combattre à sa place, puis il n'y a pas de place pour, pour le faire. On essaye de dire, ben, je vais faire ça d'une certaine façon, puis... Non, Dieu veut qu'on lui fasse entièrement confiance. Oui, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit, ça nous demande de faire des choses, mais l'issue du combat, ça ne dépend vraiment pas de vous, ni de moi. Ça dépend... Uniquement de Dieu. Demain, vous descendrez dans la direction de vos ennemis qui sont en train de monter par la côte des fleurs. Vous les rencontrerez à l'extrémité du ravin en face du désert de Yeruel. Vous n'aurez pas besoin de les y combattre. Jean de Jérusalem et de Judas, contentez-vous de vous arrêter là et de rester sur place et de regarder comment je vous délivrerai. Donc, soyez en paix. Et regardez comment Dieu va vous délivrer. « craigne, Ne craignez rien, ne vous effrayez pas. Demain, allez à la rencontre et je serai avec vous. » Josaphat s'inclina jusqu'à terre devant le Seigneur. Tous les habitants de Jérusalem et les Judéens se prosternèrent aussi pour adorer le Seigneur. Ensuite, les Lévites des clans de Géat et de Corée se relevèrent et glorifièrent à pleine voix le Seigneur d'Israël. Tôt le lendemain matin, ils se mirent en route pour le désert de Tékoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. « Écoutez-moi, gens de Jérusalem et de Juda. Ayez confiance dans le Seigneur, votre Dieu, et vous serez fortifiés. Ayez confiance en ses prophètes et vous triompherez. » D'entente avec le peuple, Josaphat plaça en tête de l'armée des chanteurs revêtus d'ornements sacrés et chargés de glorifier le Seigneur par le cantique « Louez le Seigneur, car son amour n'a pas de fin ». Hé, hey, il y a une guerre là, puis tu vas chanter louer le Seigneur, car son amour n'a pas de fin. C'est illogique à nos yeux. Mais Dieu, il n'est pas logique comme nous. <laughs> il est extraordinaire. On ne pense pas à faire des, des choses comme ça. Moi, j'aurais pensé, on va mettre nos plus puissants guerriers en avant pour être sûr qu'on ne se fasse pas voir. Non, il a mis des chantres en avant qui louaient Dieu, qui glorifiaient Dieu. Au moment, au moment où ils entonnèrent ce chant de louange. Le Seigneur jeta la confusion dans le, des, dans le rang des Ammonites et des Moabites et des Edonites, et Monites, et Domites. les Hittites. Et <laughs> ils se battirent entre eux. Donc il y a eu de la confusion dans les peuples. Au lieu de combattre les gens, de, 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 le, le peuple avec de, de Josaphat, ils se sont battus entre eux. C'est comme, est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Ils ont ils levé le petit doigt pour se battre? Ils ont juste loué Dieu, puis Dieu il a agi pour eux. Alors, c'est ça. Ils ont gagné la bataille parce qu'ils ont loué Dieu. Puis je vous encourage, vous vivez des situations, puis je me parle aussi, là, parce que des fois, on oublie de louer dans les situations qui nous semblent sans, sans issue. Sans... Puis il y a aussi l'histoire de Paul et Silas, dans Acte 16. Hey, c'est quelque chose, Paul police Silas. Moi, euh, pas sûr que j'aurais eu autant de fois que ça, là. Il avait été battu. Acte 16, 16. OK, c'est parce qu'ils ont délivré une, une personne qui avait un esprit qui disait la bonne aventure. C'est ça. Puis là, bien, vu que le, le maître de cette femme-là, euh, il faisait beaucoup d'argent parce qu'elle disait la bonne aventure, puis les gens la payaient. Mais là, elle avait été délivrée de cet esprit mauvais-là, donc elle ne rapportait plus rien pour les maîtres. Donc, qu ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont battu Paul et Silas. Mais, je ne sais pas, vous avez vu la pièce de théâtre de Stéphane, mais dans le temps des Romains, c'était quelque chose, les coups de fouet, là. Ce pas une petite baguette de bois, là. C'était des fouets assez spéciaux. Puis ils ont battu. Ils ont jeté en prison. Hé, hey, moi, je sais pas, là. J'aurais peut-être dû, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi? J'aurais peut-être été de ce style-là, là. Je sais pas, dans une prison. Puis, on n'a pas des prisons comme aujourd'hui, hein? Avec la TV dedans, là, tout le kit, là. Il avait, non, c'est ça, le gym, puis. Euh, non, non, c'était des rats, puis euh, c'était sur la terre. C'était vraiment terrible. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, pas, les silences? Vers minuit. Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. C'est pas, pas logique. Ils étaient tous meurtries par leurs blessures parce qu'ils étaient de battre, et eux ils ont prié puis ils ont loué Dieu. Je pense que c'est, une leçon pour nous. et hey, qu'on se plaint souvent des fois là. il nous arrive quelque chose puis on est déjà tous découragés. et hey, on n'a pas reçu les, les coups de fouet, nous autres là. Mais eux ils ont vraiment vécu, je veux dire quelque chose de terrible. Puis ils, ils ont prié, puis ils ont loué Dieu. J'en reviens pas. Mais il s'est passé quelque chose quand ils ont loué. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Et quand Dieu fait quelque chose, il le fait en grand. Hein? Il aurait pu juste faire ça tout doucement, mais non, un puissant tremblement de terre. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Il aurait pu juste euh, délivrer Paul et Silas mais Dieu, il est bon, il a délivré tout le monde. Le gardien se réveilla lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes et tira son épée pour se tuer parce que si un prisonnier s'évadait, les gardes étaient en danger de mort, là, hein, parce que c'était, il fallait qu'il qu euh, surveille les prisonniers, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais en tout cas, tout ça pour dire que finalement, le, le, le gardien a accepté sa lui et sa famille, parce que c'était trop comme. Qu'est-ce qui se passe là C'est incroyable que le tremblement de terre, eux qui louent le Seigneur, Dieu agit, sont sauvés. Alors dans la louange, il se passe quelque chose. Il Faudrait qu'on change notre mentalité de toujours se plaindre. Puis là, je me parle, hein, honnêtement. Je vous parle à vous, mais je me parle à moi aussi, d'essayer d'arrêter de, de se plaindre et de louer Dieu à la place, parce que je pense qu'il y a plus de puissance dans la louange que dans Pauvre de moi, pauvre de moi. Hein? Alors, euh, c'est ça que j'avais à vous apporter ce matin. J'espère que ça vous a béni. Puis je ne sais pas, j'ai à cœur de faire deux choses. Premièrement, s'il y a des gens ici qui n'ont jamais accepté Jésus, qui ne connaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou que vous n'avez entendu parler, mais que... Vous avez jamais vraiment donné votre vie à Dieu? S'il y a des gens ici qui voudraient vraiment l'accepter, parce que Dieu est vrai, que vous le croyiez, que vous le croyez pas, il est vrai. Je le sais, je le connais. Je lui parle à tous les jours. Il existe, puis il vous aime. Il connaît votre adresse. Il connaît tout de vous. Il connaît chaque situation. Il vous connaît. Et si vraiment vous voulez donner votre vie à Dieu ce matin, vous avez à cœur de dire, oui, moi, je veux vraiment suivre Dieu, je veux suivre Jésus, je vais donner ma vie à Dieu, parce que, vous savez, après la mort, on ne s'en va pas juste comme ça. Non, il y a une vie après la mort, il y a la vie éternelle. Une vie éternelle, ça n'a pas de fin. Puis la parole de Dieu dit que ceux qui sont sauvés seulement, pas une religion que je vous parle, je vous parle d'une relation. Tout ce que je vous ai dit ce matin, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est une relation avec un Dieu puissant. Puis, Dieu nous dit qu'il y a nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui dit ça. Donc, si vous voulez être sauvé, avoir la vie éternelle, vivre une vie, comme on dirait au paradis, les gens disent ça, mais il faut accepter Jésus dans son cœur. faut le suivre. C'est n'est pas les bons, les méchants. C'est n'est pas que les bons vont au ciel, les méchants vont en enfer. Non. C'est ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur qui vont avec Jésus. Puis les autres qui n'ont pas accepté le Seigneur, malheureusement, vont en enfer. Et ça, c'est pour l'éternité. Ça n'a jamais de fin. Puis Dieu a donné son Fils pour vous à la croix parce qu'il vous aime. Pour justement que vous puissiez avoir accès à sa grâce. Donc, s'il y en a ici qui voudrait donner sa vie à Dieu, juste levez la main. On va prier pour vous. Puis, s'il y en a aussi qui voudraient juste, peut-être qu'on pourrait chanter un chant de victoire dans la louange. Vous avez une situation que vous ne savez pas comment vous en sortir. Moi, j'encourage je juste de peut-être vous avancer. On va prier pour vous. Mais de louer Dieu. De vraiment le louer. dire Seigneur, je te relâche ça. Je te relâche ce problème-là. Ça ne m'appartient pas, Seigneur, comme Josaphat. Puis, Paul ici Seigneur, je vais louer. La situation va changer. Ça va changer, ça va soigner, ça va changer de bord complètement. Parce que la louange est puissante.